السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Activité de langue, une idée d'activité, thème, la vie culturelle et artistique, semaine 7, 8, 9 et 10. On commence par l'orthographe A et A, et E et E. Les homonymes. Bien. Je remplace donc A, le verbe avoir, au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. A, c'est la préposition. Bien. Le cavalier a un joli cheval. Donc ici, le cavalier, c'est le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute le verbe. Le cavalier a un joli cheval. Le moussem a lieu à Tantan. Tantan. Donc, ici, on a le moussem, le sujet. Donc, on fait le verbe. Ici, à Tantan, c'est préposition. Les enfants vont. Les enfants, sujet, le verbe aller au présent. Bien, qu'est-ce qu'on dit? À la cérémonie, préposition. Le photographe a une caméra. Donc, photographe, sujet, et donc on ajoute le verbe. Bien. Je remplace les pointillés par « est » et « est ». Donc, « est » le verbe « être » au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier et « est » le mot de liaison. Donc, les cheveux, les chevaux et les dromadaires sont des animaux. Donc, ici, on a « est » le mot de liaison. Amine et Abbas sont des invités. Donc ici, Amine et Abbas, on a deux noms. Donc ici, on dit « est ». La fille, ça s'appelle le sujet, le verbe « être ». La tante, sujet, le verbe « être ». Bien, on passe à la partie numéro 2 de l'orthographe. L'orthographe, la marque du pluriel. Donc ici, en général, les noms au pluriel prennent un S. Parfois, ils prennent un X. Donc ici, je mets au singulier les phrases suivantes. Elle apporte des cadeaux. Donc, il au pluriel, donc, on dit troisième personne du singulier. Il apporte un cadeau. Le verbe ici, le verbe apporter, E, ici, ENT. Vous jouez au ballon. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Vous. Le singulier, c'est quoi? C'est tu. Tu joues au ballon. Des chapeaux en cuir. Qu'est-ce qu'on dit? Un chapeau en cuir. Bien, on passe à la question numéro 2. Je mets le nom suivant au singulier ou au pluriel. Donc ici, lorsque le singulier, on met le pluriel. Lorsque le pluriel, on met le singulier. Par exemple, ici, un château. Qu'est-ce qu'on dit? Un, c'est des. Des châteaux, on ajoute ici X. Ça s'appelle X lorsqu'on a E, A, U. On ajoute X. Bien. Les invités. On dit l'invité parce qu'on a ici un voyelle. L'invité. Les filles. Singulier, la fille. La fête. Pluriel, les fêtes. Avec un S. Donc ici S. Bien. Ici la même chose. S. Le cadeau. On a ici E, A, U. Donc c'est X. Les cadeaux. Les oiseaux, la même chose ici, on a X, donc pourquoi? Parce qu'on a O. Donc O. Donc on dit l'oiseau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.